Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour un petit vlog. Vous expliquer un petit peu les projets à venir. Donc c'est bientôt la fermeture, vous savez très bien que 31 janvier, c'est fini la pêche. Donc on va sûrement passer au vermanier comme l'année dernière. En espérant faire de belles surprises comme les poteaux de Fisherman Addict qui avaient fait un brochet de 90 au vermanier. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne. Donc je voulais vous parler du mois de janvier. Donc vous savez très bien qu'il y a le salon de Clermont-Ferrand qui se déroule, je crois, du 12 au 14, il me semble. Donc je serai présent. Alors j'ai été invité par Svensen, donc Savage et Dame, par le biais de Numa Marengo, qui m'ont invité en tant que représentant, si vous voulez, ou plus ou moins invité VIP au salon de Clermont. Donc je les aiderai à monter bien évidemment le stand, puis je ferai quelques animations sur le stand au niveau de la piscine. Vous savez très bien, pour ceux qui étaient là l'année dernière, qu'il y avait des animations. N'hésitez pas à y venir nombreux. Je vous communiquerai bien évidemment les heures à laquelle je passe, comme ça vous pouvez venir me voir et en même temps on discutera avec plaisir. Donc je serai sur ce stand là, je serai aussi sur le stand FTF French Touch Fishing, donc je serai présent pour vous présenter aussi les gammes que je suis en train de tester, notamment le Escape qui est en train de faire une tuerie. Je vous montrerai dans une vidéo prochaine, vous allez voir, c'est excellent. Je me baladerai aussi, vous me verrez je pense dans le salon. Je sais que Kevin y sera aussi, peut-être les pêcheurs et les poissons, je pense qu'il y aura d'autres youtubeurs. Donc venez nous voir nombreux, c'est vraiment très cool. Pour ceux qui n'ont jamais été à Clermont-Ferrand au salon de la pêche, dites-vous bien que tout ce que vous voyez dans les vidéos, tout ce que vous voyez dans les magazines, et bien ce sera là-bas, il y aura du monde. Ça fait vraiment très plaisir d'y aller, c'est hyper cool. Je voulais vous dire aussi la fin d'un partenariat, la fin d'une belle aventure avec Predanor. Donc j'arrête le partenariat avec eux. Justement, je voulais vous dire, profitez-en encore, il y a encore moins 10%. C'est le moment d'acheter sur le site avec le code AMINIAC en majuscule, sur le site Predanor. Donc n'hésitez pas, allez-y. Je remercie encore David, c'est vraiment très sympa de sa part d'avoir bossé avec lui. Il y aura peut-être des autres partenariats ou pas, ça l'avenir nous dira. Par contre, il y a d'autres partenariats avec d'autres marques de pêche. Donc là, il y a Ed Wenger qui vient de m'envoyer de superbes leurres. Vous les avez sûrement vus sur canalgratis.com, la chaîne YouTube. Donc c'est les gros Ed Wenger en 23 cm. On va piker les gens. On va essayer de prendre du gros pike. Ça va être l'objectif de cette année. Bon, le bilan n'a pas été vraiment très intéressant. J'ai pas battu mes records, sauf silure et barre. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas de la pêche. En espérant battre mon record perche, cendre et brochet, ce serait cool. Dites-moi, vous, dans les commentaires de cette vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez pour l'année prochaine? Ça ferait très plaisir. Peut-être, pourquoi pas, plus de mer, plus de car, plus de... Voilà, ça dépend aussi de moi, mon emploi du temps. Vous savez très bien que je ne fais pas que ça. Il y a aussi le travail à côté, donc c'est pas évident. En tout cas, merci à vous. Ça continue à monter. On a dépassé les 22 000. Je sais que les gars ont dépassé les 30 000. C'est vraiment hallucinant. On ne pensait pas du tout avoir cette notoriété-là, entre guillemets. Surtout pour de la pêche. On sait très bien que la pêche est un réseau très fermé. Je trouve que de plus en plus, il y a des vidéos de jeunes sur YouTube, c'est vraiment très intéressant, notamment Trio Pêche 69 qui sont en train de grimper aussi à fond. Je ferai sûrement une vidéo avec eux, voire deux vidéos, et il y aura d'autres collaborations avec d'autres YouTubeurs. Et bien merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter cette vidéo afin de partager vos impressions et de la liker. On se retrouve très bientôt, vendredi, ce sera de la pêche. Bye bye.